Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, sachez que ça ne va pas du tout. Mon cœur est triste. Mon cœur pleure. Eh oui, des rumeurs concernant Kylian Mbappé qui pourrait signer au Real de Madrid durant cet été ne veulent pas se calmer. Je n'arrête pas de voir des rumeurs à droite et à gauche. Je ne sais plus qui croire. Des gens qui disent Kylian Mbappé n'ira nulle part. D'autres qui disent, nous savons de sources sûres que Kylian Mbappé est déjà en train d'organiser son départ pour le Real Madrid. Oh là là, il va arriver au Real de Madrid. J'en suis sûr, on va se retrouver contre lui. En Ligue des Champions, il va marquer au Parc des Princes et il va célébrer comme s'il a jamais joué au Paris Saint-Germain. Ça vous apprendra. Vous avez été ingrat. Vous ne lui avez pas donné assez de crédit. Voilà maintenant, Kylian Mbappé en a marre du Paris Saint-Germain. Nasser qui commence à péter un câble, qui lui envoie des lettres, qui le menace. Ça y est, c'est fini. On n'a aucune gestion de nos joueurs. Et ça, depuis la nuit des temps du Paris Saint-Germain. Vous avez oublié comment on a traité Anelka, Ronaldinho? Hein? Hein? Et j'en passe, tous les titis formés au Paris Saint-Germain qui se retrouvent dans des endroits qu'on ne connaît pas. Voilà, Kylian Mbappé va aller signer pour le Real de Madrid. Et là, on est en train de recruter des joueurs pour le remplacer. On nous parle de Ousmane Dembélé, celui qui aime l'infirmerie plus que le ballon, qui aime les fêtes de Copacabana. Oh là là, je sais, Ousmane Dembélé est très très fort. Il est très très fort. Mais est-ce que c'est avec lui qu'on peut gagner une Ligue des Champions? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Hein? Non. J'en ai marre. Vous ne pouvez pas garder un petit comme Kylian Mbappé? Là, on apprend que Kylian Mbappé veut juste la prime. C'est pour ça qu'il n'a pas encore signé avec le Real de Madrid. Il attend la prime du Paris Saint-Germain de 40 millions d'euros. Et puis, il espère avoir aussi sa prime de fidélité pour l'année 2024 qui équivaut à je ne sais pas combien encore de millions d'euros. Et on est en train de nous expliquer à droite et à gauche que Kylian Mbappé, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Alors qu'on sait, on le voit sur le terrain. Il n'y a pas que l'argent qui l'intéresse. Marquer des buts, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Vous n'avez pas vu le nombre de buts qu'il a mis? Hein? C'est le deuxième meilleur buteur de toute l'Europe. Toutes compétitions confondues. Quand c'est Messi, oui, d'accord, Messi va là-bas, d'accord, Messi va là-bas. Quand c'est Kylian Mbappé, oh, écoute-nous, oh, c'est pas bien ça, oh, t'as pas le droit de faire ça, oh, t'as pas le droit de penser à l'argent, oh, là là là, Cristiano Ronaldo, il est parti là-bas, là, il a pris combien? Hein? Laissez le petit là. Il va signer au Real de Madrid parce que vous lui faites chier. Vous faites n'importe quoi. Vous n'arrivez même pas à porter le meilleur joueur français. À le porter dans votre cœur.